Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais commencer une petite série de 4 vidéos que je vais faire, je pense, sur 4-5 sons, plus 4 sons de l'album Ultra de Booba qui est sorti depuis le 5 mars dernier. Ça fait presque 10 à 9 jours, si tu comptes l'album streaming à minuit. Du coup, on a pris du retard, donc je vais commencer maintenant. Je vais faire 4 sons, je vais pas en faire plus parce que déjà il y avait pas mal de sons qui étaient déjà sortis. Après, voilà, j'ai choisi mes petits sons. Voilà, je voulais voir, j'ai vu des titres, les feats, etc. Donc voilà, on va se faire RST. C'est produit par Alik Yako. Alik Yako qui sont un duo de producteurs, donc c'est des gars qui travaillent uniquement ensemble, logiquement, c'est un duo. Donc, bien qu'en carrière solo, ils sont chacun à l'origine de nombreux instrumentales de l'industrie du rap francophone, ensemble, ils ont collaboré avec des artistes tels que Booba, TaZ, Sizzlak ou bien encore Espion. Donc voilà, ils n'ont pas été trop sur le devant de la scène, on va dire. En tout cas, bravo à eux, ils ont pu avoir une prod sur le dernier album entre guillemets de Booba, on sait jamais avec lui si le dernier ou pas, et RST sont les initiales de Roi sans tête, d'accord, RST ça veut dire ça. Donc ok, ça fait plaisir de voir un mec comme Booba qui n'a pas peur d'aller chercher des prods n'importe où dans sa boîte mail, du moment que c'est chaud, c'est lourd, il valide, c'est bon. Et ça c'est un exemple, il faut suivre ça, les mecs qui voit les crédits des albums de mecs comme Booba, mais c'est un truc de ouf. Tu vois, le mec, il a sorti un autre son, le mec, il a une instru de piano dessus. Derrière, tu vas chercher les crédits du gars, le mec, il a jamais composé pour n'importe qui. Le mec, il s'est fait juste un kiff, il a eu le contact de Cop, et ça y est, il l'a balancé. Le mec, il a aimé, un petit truc à droite, à gauche, je sais pas, ça arrivait comment. Hop, tu finis sur l'album de Booba. Pareil pour le mec, c'est un truc de ouf. Après, ils ont un peu plus de son, ils ont un petit pied, on va dire, dans le game, mais pas non plus des grosses têtes. Donc, c'est toujours des personnes qui sont pas au devant de la scène, on va dire. Donc, ça fait super plaisir. Et donc, big up à eux déjà pour cette prod, Alik et Yako. Donc, déjà, se faire placer sur un album de Booba, respect. Franchement, que ce soit mauvais ou bon, c'est un respect. Mais dans tous les cas, on sait que Booba, c'est un des premiers artistes en France à choisir de très bonnes prods pour ses albums. On le connaît depuis longtemps pour cette qualité. Donc, commence comme ça déjà. Là. Ça commence comme ça, comment ça va terminer? Ça sent un peu la lacidière. C'est quoi les bails en fait? Si on s'embrouille, faut que tu considères. Le AK-47, un roi sans couronne. C'est mieux qu'un roi sans tête. Vous me prenez la passée à E.I. Le 667, on n'est plus humain. On se fait chaud sur le lait. Pas de shopping, je l'ai niqué. Elle avait rien à se mettre. J'ai pas attendu, j'attends du béton. D'ailleurs, à la fenêtre, des fois j'aimerais juste à l'enfer. Tout le monde qui nous souhaite. Je ne fais pas, on m'a dit. J'ai bibi sous le nez des portes. J'ai que deux personnes dans la vie. Le reste n'est que du déco. Je suis disponible. Il est un peu petit flow là-dessus, hein. Tu es très joli. Mais y'aura pas de petit déjoli. Quand ça c'est dit. Je prie pas, mais j'oublie pas de rien de là. Quand je passe entre les côtes, on ira où tu voudras. Comme toi, avec ça à foutre. 9000 mètres au bout du bras. Si tu te mets sur ma route, porte ta Colombie dans sa tâche. Le béton dans la sauce. Je prie pas, mais j'oublie pas de rien de là. Très violent.
toujours. Ah, ça fait plaisir, un morceau comme ça. Sans les pailles de Penthouse. Prends-moi la vie de rêve, sur côté de fou. Elle croit qu'elle est belle pour de vrai. La route se fout de nous. Je me bois, mais j'oublie pas que j'ai une douleur. On se passe entre les côtes, on ira où tu voulas. Comme toi, elle s'en foutre. 9000 mètres au bout du bras. Ah, la prod est très très complète. On n'a pas juste un petit bout. Et mis à chaque fois, on a vraiment un truc vraiment élaboré. Comme toi, elle s'en foutre. 9000 mètres au bout du bras. Porte ta Colombie dans sa tâche, le béton dans la saute. Il paraît que l'enfer est sur terre. Si c'est ça, je prends. Bago Pinky pas à l'annulaire. Je n'ai pas le temps. Terminé. Oh, t'as ces morceaux à 2 minutes 44. Franchement, il est sérieux, lui. Chaud, hein. Franchement, c'est très très chaud. Qu'est-ce que disent des commentaires? Bah, il n'y a que 15 commentaires parce que le truc, il est, je sais même pas s'il est répertorié ou pas sur le truc. La référence à Ali est toujours la même. Il arrive vraiment plus à innover, même prod que plein d'autres. Je trouve que c'est différent. Booba, il n'est pas du genre à aller sur ce type de terrain quand même. Elles ont fait trop de squats, pas une que je dévisage. Meilleur son de l'album, la piraterie. Je te verrai bien en feat avec Titoff, ok. Bon, il n'y a pas trop de com, hein. Il n'y a que 15 com déjà, donc qu'est-ce que tu veux faire avec? Que dire? Grosse prod, une prod en mode pad, cloud, en mode vraiment. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de prod. Ce type de prod, parce que ce genre de prod, on le voit, si le genre de prod un peu doux, qui en mode évasion, tout ça, il a l'habitude de faire ces trucs là. Là, c'est pas vraiment en mode évasion, c'est on dirait, c'est un peu plus restreint. C'est un type évasion, mais différent. Je sais pas, c'est vraiment, ça résonne vraiment. On dirait un truc style évasion, vraiment noir, quoi. C'est, je sais pas, c'est un style un peu étonnant, mais ça rend plutôt pas mal. Voilà, ça donne toujours un style, voilà, doux, tranquille, cloud, etc. Avec du pad derrière et tout. Donc, moi j'aime bien. Et que dire, ouais, grosse prod quand même. Donc, big up. Au Prodo, qui est les deux qui sont derrière, ils ont fait un très beau placement. Et comme j'ai dit, Booba, il sait choisir ses prods. C'est une belle prod et il a fait le taf dessus. Il a un flow qui est pas mauvais là-dessus. J'aurais aimé aussi le voir peut-être différemment sur un autre type de flow, un flow où il est un peu plus peut-être où il se modifie, où qui va un peu plus rapide, plus lent. Je l'aurais bien vu un truc dessus, mais je trouve que le morceau en général il est plutôt pas mal donc. Donc voilà, rien à dire de plus, c'est un bon morceau qui rentre dans l'album, donc pas mal. Et big up pour le placement ultra au gars, c'est Ali Keyako, lourd, très très lourd, big up à vous les gars. Et bon son, rien à dire, il n'y a pas de fioritures mon gars. Donc voilà, on se quitte dessus, à la prochaine, ciao ciao.